Kuri match ya rezo to fitina twabonye utanga assist ku mukinyi Jojea. Ndetse kuri ubu ngo hari undi mukinyi ikipe y'igihugu yungutse ukina imbere hari. Nizeye inyungu zo kugira abakinnyi benshi baturuka hanze bakina mu myanya iri imbere aho mushobora kugunganira kugira ngo ikipe y'igihugu yitware neza. Hano cyangwa icyo navuga cyangwa nuko Monsieur Marvin, oui. Probablement c'est ta première sélection. Mm-hmm. Parlez-nous un peu des négociations qui ont eu lieu pour que tu sois sélectionné ou bien c'est une motivation par rapport au nouveau projet. Parlez-nous un peu comment vous avez travaillé ensemble avec le sélectionné ou la fédération vis-à-vis de votre sélection. Oui, alors écoutez, ça fait un moment qu'on est en contact, ça fait bientôt 2 ans. Après, ça n'a pas pu se faire que je sois convoqué avant parce que je me suis blessé malheureusement. Et voilà, j'étais déjà en contact avec l'ancien coach et puis j'ai toujours eu des bons termes avec eux. Même lors de ma blessure, on est toujours resté en contact et c'est ce qui m'a permis, dès que j'étais rétabli, de pouvoir venir ici, s'ils me voulaient vraiment. En matière de profil, qui est Monsieur Marvin? Tu joues dans quel poste, dans quel comportement du jeu? Moi, de base, je suis ailier gauche ou droite.
Mon style de jeu rapide, technique, je dribble beaucoup. Après cela, lors de ma carrière, j'ai pu dépanner en tant que latéral aussi. Latéral, même central. Du coup, on va dire que je suis assez polyvalent. Latéral gauche ou droite? Les deux. Les deux. Je peux jouer des deux pieds. Et voilà, mais de base, je suis ailier. Tu nous dis que tu es déjà blessé. Maintenant, tu es en bonne forme? Oui, maintenant, je suis rétabli. Là, je me suis fait opérer il y a un an, en septembre. Il s'agit de quel blessé? Des ligaments croisés du genou, plus d'autres choses dans le genou. C'était ma deuxième fois au même genou. Donc, ça a pris un peu plus de temps, cette rééducation. Mais voilà, là, j'ai beaucoup travaillé pour revenir rapidement. Et puis là, je suis à 100%, je suis rétabli. Marvin, vous venez dans un groupe de l'équipe de Soleil Rwandais très soudé, mm-hmm. en pleine compétition. Qu'est-ce que vous apportez dans cet groupe-là en matière de qualité dans le terrain? Oui, bien sûr. Alors moi, je ne suis pas venu là pour être en vacances. Je suis là pour apporter ma plus-value, ma petite expérience que j'ai en Europe, l'apporter au sein du groupe. Tout d'abord, ça a passé par un moment d'adaptation. Et puis par la suite, je compte performer avec l'équipe. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien faire 3 semaines de trêve avec l'équipe pour bien m'adapter, ne serait-ce au football, mais aussi à la vie en Afrique, parce qu'en Europe, c'est assez différent de ici. Et voilà, je compte sur le moyen long terme performer avec l'équipe. Si on parle de Malvin, certains peuvent penser que c'est Malvin européen qui ne connaît pas le Rwanda, pas du tout. C'est la première fois? Non, c'est la troisième fois que je viens. Moi, je suis d'origine de Kimisagara. Ma famille vient de là-bas, ma mère. Et c'est la troisième fois que je viens. Je suis toujours venu en vacances et tout. J'ai quelques amis ici et j'ai la famille ici. Du coup, quand je viens, j'ai mes repères. Je sais où aller. Et voilà. Une question ici. Vous êtes dans l'équipe nationale alors que le championnat suisse est en cours. Mm-hmm. Comment avez-vous négocié la libération? C'est le coach qui ne compte pas sur vous ou bien c'est une chance qu'il vous a donnée? Non, c'est une chance qu'il m'a donnée étant donné que c'est ma première fois. Avec l'équipe nationale, moi j'ai demandé à partir un peu plus tôt, justement pour m'adapter au groupe et à la vie ici en Afrique. Et il m'a accordé ce temps-là pour être prêt, parce que c'est vrai que la fenêtre FIFA, c'est une semaine, ça commence à partir du 7 octobre, quelque chose comme ça. Voilà. Mais voilà, je suis venu un peu plus tôt pour pouvoir m'adapter avec le groupe et m'habituer au jeu ici. Vous arrivez en concurrence avec certains joueurs comme Djudjia, je ne sais pas si tu as au moins a eu le temps de suivre les matchs des Amavubi. Tu es prêt à la concurrence? Oui, j'ai eu le temps de suivre les matchs, bien sûr, et bien sûr je suis prêt à la concurrence. Après, moi je suis assez jeune et même hier lorsqu'on fait des exercices tactiques, j'essaye d'apprendre de ma concurrence. Quand je vois par exemple Gilbert Mugisha, ses déplacements, etc. Moi, je m'inspire de lui pour pouvoir m'améliorer et m'adapter, comme j'ai dit auparavant, au jeu de ici. D'après toi, quel est l'espoir que tu peux donner les Rwandais? Peut-être, vous dira pendant le match, est-ce qu'il y a la victoire devant le Bénin? Oui, bien sûr. Moi, je suis très confiant contre le Bénin. Là, on travaille très dur pour être prêt pour ces deux matchs. Et ces deux matchs importants, on en est conscient et moi je suis très confiant du groupe et très confiant de moi-même, du travail qu'on va apporter sur le terrain. Du coup, je suis sûr qu'on va apporter quelque chose de positif et on va apporter des points lors de ce déplacement. En tout cas, bienvenue pour apporter ton pierre à l'édifice. Un mot la cause, merci. Toujours quoi? Ok, la dernière question. Dis-nous à propos de ton choix qui t'a poussé de choisir l'équipe nationale rwandaise. Il y a même des joueurs qui 24. C'est vrai, en Suisse, j'avais pas le choix encore de jouer pour l'équipe nationale suisse, mais c'est un choix du cœur. J'en ai beaucoup discuté avec ma mère dès que j'ai eu l'opportunité de jouer ici. Elle m'a dit que c'est une bonne opportunité dans le sens où ici, je pourrais jouer en tant qu'ailier. Parce qu'en Suisse, c'est vrai qu'en tant qu'ailier, c'est actuellement...